Bon, et salut tout le monde, on rattaque une nouvelle semaine. Bon, je vais vous passer des images au drone de ce que j'ai fait cet après-midi. Donc je suis toujours dans les semis de prairies et mon père faisait du cultus avec l'action et moi j'étais avec l'Arion. Donc semis de prairies pour 2 ans du coup, étant donné que les prairies semées sous couvert n'avaient pas marché, on a préféré sécuriser l'implantation de la prairie en repassant le cultus, mettant du fumier et en ressemant. Donc là on a semé 20 kg de riz gras, 10 kg de trèfle, 10 kg de trèfle et 2 kg de dactyle, donc tout ça mélangé dans le semoir. Donc je vous passe quelques images, moi je vais traire et on se retrouve demain pour un autre chantier. Bon, on se retrouve le lendemain après-midi. Là, il faut faire très vite, mais je pense que j'aurai pas le temps de finir quand même. Il y a un gros orage qui a l'air d'arriver et j'ai peur de pas avoir le temps de finir de semer. Il fait déjà des gouttes. Bon, c'est du très sableux, donc pour le moment ça passe.
Mais j'espère pouvoir finir au moins ce carré et tant pis, je ferai l'autre plus tard. Mais ouais, là-bas sur l'Angeac, ça a l'air de tomber sévère. Je pense qu'il y a l'enduro moto mondiaux qui est en train de tourner. J'avais vu quelques stories, ça faisait de la poussière, je pense que ça va faire la gâteau maintenant. Vous voyez, ça attaque sur des groupes, ça colle la poussière sur le tracteur. En tant qu'il n'y a pas de grêle, ça ira. L'avantage avec ce semoir, ben voilà, là je sais que c'est une parcelle où il n'y a pas de pierre. Et je peux avancer. Je peux avancer, on n'abîmera pas le matériel dans du sable. Bon allez, du coup j'ai fini de semer les prairies. J'ai été finir ça après traire. Là il est minuit et demi. J'étais allé manger avant, finir de traire. Et après, ben, vider le semoir, j'y ai passé un coup de souffleur parce qu'il était plein de poussière. Le graisser, le remettre dans l'hangar, comme ça il est prêt ben, pour le prochain. Donc il doit repartir demain ou jeudi, je crois. Voilà, allez, vous me voyez plus. Moi je vous dis bonne nuit. On se retrouve demain sur l'enduro moto normalement. Là j'ai tout ramassé. C'est l'américain. Y'en a la je pense. Je
Bah allez, on se retrouve du coup le lendemain des motos que vous venez de voir. Donc ceux que j'ai pas pris le temps d'expliquer hier, j'étais à fond dans le truc. Donc c'est les mondiaux d'enduro, donc ISDE ça s'appelle, 2022, et ça se passe à Chasse-Puzac. Donc il y avait vraiment du spectacle. Donc les principales images que j'ai mis, c'est vraiment les coureurs pro, un peu les élites de la compétition. Il y avait Joseph Garcia, l'Espagnol, c'était vraiment impressionnant de le voir rouler. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à aller regarder ça, faire 2-3 images sympas. Bon, vous doutez bien que j'allais pas sortir le drone. J'ai pas les autorisations pour filmer ce genre de manifestation. Mais plutôt sympa à regarder. Je vais essayer d'aller au final samedi après-midi. Donc voilà, bon maintenant on se retrouve à l'ensilage de maïs chez notre collègue Sébastien. Donc il y a du rendement, il y a un petit peu de grain. C'est des maïs qui avaient été semés beaucoup plus de bonheur que sur l'exploitation. Du fait, ben, ça a été semé de bonheur, il y a du rendement et il y a du grain. Donc tant mieux pour le collègue. Et sinon moi je suis avec l'action toujours, je vous passe quelques images et puis on se retrouve et ben, à la fin du chantier pour attaquer autre chose. Sometimes I'm really brave, and that just means that I'll try again tomorrow. It's my dark created mountains where the valleys used to be. Gotta change perspective if I really wanna see that sunrise over the water. I swam over and under, get lost in all the wonder. Never call it quits, no. When life hit me apart, I went faster and farther. I just gotta remember I was made for this. As far as they want to go, and it's time for me to say they won't break me. I'm braver than I know. It's my doubt created mountains where the valleys used to be. Gotta change perspective if I really wanna see it. Sunrise over the water, I swear over and under. Get lost in all the wonder. Used to be. And all the things I thought I knew were changing like the seas. Yeah. But I have overcome it all and I'm still here. Oh, I gotta change perspectives if I swam over and under. Get lost in all the wonder. Never call it quits, no. When life hit me harder, I went faster and farther.
till the hand grabbed her by the arm. Blood's thicker than water, but even his father ain't never gonna do her no harm. And whiskey on his breath, they were scared to death, and he was meaner than the devil himself. It was him or them, and you can call it a sin, but the Roanoke River won't tell. So baby, meet me down by the Roanoke River, where the cool dark water meets the full moonlight. If we can sneak away, maybe we could be together. Can't nobody stop love tonight. Stop this love. Can nobody stop this love? 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 Oh, can nobody stop this love? So baby, meet me down by the Roanoke River, where the cool dark water meets the full moonlight. If we can sleep, cantonné au passage de Silo. Mon collègue qui tassait, il a dû partir à une réunion. Donc j'ai pris sa place. Donc je suis avec un John Deere 6600. Là ça craque. Et l'autre c'est un 6650 avec la fourche quick pour pousser. On s'entend pas parler sur le tas.
Bah allez, bah, je vous reprends du coup le samedi soir. C'est l'heure de la traite. Bon, je vous réexplique pourquoi on avait mis le mur. Donc c'était parce que les fonds mouvants ne pouvaient pas les vider en bas. Et donc c'est pour ça qu'on faisait vider les fonds mouvants là et qu'on reprenait dans les remorques pour aller le vider dans le silo en bas. Donc je l'avais dit pourtant dans la vidéo, il me semble, je l'avais dit dans la vidéo précédente, quand on avait fait le montage du mur, à quoi ça allait servir. Mais bon, je leur dis parce qu'il y a eu beaucoup de questions que on faisait ça pour s'amuser. Oui, on savait pas quoi faire, du coup on a fait vider les camions là, on s'est amusé à le descendre en bas. Non, sérieusement, si on le vidait là, c'est que les fonds mouvants ne pouvaient pas y aller à cause du dévers et que c'était impossible et beaucoup trop compliqué de les faire vider directement dans le silo. Donc là on a ouvert aussi le silo, du coup, de maïs de l'an dernier. Et on a également ouvert hier le silo d'herbe donc de 2022. La qualité est vraiment là dans le silo d'herbe, je pense. Il faudra faire une analyse. Et là le silo de maïs, c'est du maïs de l'an dernier et il n'y a pas énormément de grains. Bon, sinon nos maïs à nous, pour avoir fait un petit peu le tour de quelques parcelles, il n'y aura pas des rendements de ouf, mais à mon avis il y aura du grain. Donc ça déjà c'est un point positif, parce que pour faire du lait, s'il n'y a pas de grain, c'est compliqué. Donc dans la vidéo aussi vous avez pu voir un petit peu Erwan qui s'entraînait à labourer pour le concours de labour en régional. Donc grosse force à lui et je te souhaite beaucoup de courage pour réussir le concours, Erwan. Je sais pas si tu regarderas la vidéo avant le concours, donc c'est dimanche à Aurillac, je voulais venir te voir mais pas possible dû au boulot et surtout au nombre de kilomètres, de faire de 5 heures de route dans la journée et aller-retour, c'est un peu compliqué. Donc voilà, bon sinon ça a bien reverdi. Si ça continue comme ça, on fera une coupe, je pense, dans il y a à peu près 18 hectares de régras où ça pourra refaire une coupe. On a fini de rouler les prairies, on a fini de semer également, donc ça a bien avancé tout ça cette semaine. Je vous ai pas forcément tout filmé parce que voilà, c'était un peu la course un petit peu partout. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Au passage, le tracteur de la Cuma est arrivé, donc restez connectés, ça devrait arriver, la vidéo où je vous le présente. D'ailleurs dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez que ça peut être comme tracteur. Il y a des indices où il n'y en a pas, à vous de voir. Allez, salut !